Je sais pas gérer les chronos par équipe, hein, vous voyez le temps. Quand vous voyez les temps aux premiers intermédiaires et compagnie, bon voilà. Vous dites qu'on n'est pas du tout dans les temps. J'aurais mieux fait de le simuler ce chrono. Allez, allez Thomas, allez Pitcock. C'est ton moment. Bon maintenant, là j'avoue. Voilà pour l'équipe, là je vais passer un court relais. De, allez, peut-être 200 mètres encore. Voilà. Allez hop là. Et maintenant là avec Moscone, on sait que Moscone il a de la bracasse. On le connaît, Gianni. Allez, Moscone. Et là, par contre, là, ça va être B20. Parce que B20, là, c'est l'atout numéro 1 de l'équipe. C'est l'un des meilleurs rouleurs. Je sais pas si on peut dire du monde. En tout cas, un excellent rouleur, Patrick B20, le néo-zélandais. Je suis obligé de tout donner. Là, avec Matteo Trentin, là, on va tout donner. On va s'arracher avec Matteo Trentin. On est déjà battu. Alors qu'on est seulement sous la flamme rouge, c'est pour dire. On va perdre énormément de temps, là on va perdre plus d'une minute. On perd une 15. Oh la catastrophe, Ada. Quand je dis que je sais pas gérer les chronos, c'est vraiment que je sais pas les gérer. Chrono par équipe, mon gars, faut que je fasse un stage de chrono par équipe, c'est pas possible, mais comment les gérer en fait? Mesdames et messieurs, applaudissez. Voilà, deux Kenan qui s'impose à la fille qui a le jaune, le vert pour Neymar. Bon, on a toujours le maillot à poil, le maillot blanc est pour Pogba qui prend largement de l'avance déjà. Le seul setup où on pouvait jouer avec Pogba, ben, on perd du temps. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour que ça soit cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. Ouais, bon, effectivement quand même. Alors voilà, classement par équipe. On n'est pas dernier. Il y a quoi, il y a Intermarché et Alpecin derrière nous. Non, évidemment on perd très gros, évidemment. Je pense que vous doutez, voilà. On descend 22e, une 18. Trentin qui a une 06. Ouais, le général, c'est pourquoi on aura d'une 15. C'est remontable ou pas? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais c'était mon premier chrono par équipe, hein, aussi. Du coup, forcément, c'est compliqué. Maillot vert, par contre, on perd des points quand même. De toute façon, la prochaine étape, on part pas l'avant et on perd le classement par équipe aussi. Ça, c'est malheureux. Et nous, on se retrouve dans le final de la prochaine. Pas trop loin d'arriver, je me suis dit un truc. Eh, vas-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rouler Pitcock et Moscone dans le relief. Ça a fait aucun dégât. Pitcock, du coup, il en peut plus. Hein. Bon, j'ai fait quelques points. Bon, par contre, j'avoue, j'ai dit à Trentin d'attaquer pour faire le deuxième sprint intermédiaire. Pitcock l'a protégé. Du coup, c'était pas ouf. Alors là, tout le monde gèle bleu. Hein. Également suivre les attaques, là je veux que tout le monde suive les attaques, en tout cas pour bien rester placé. Il va y avoir un relief, hein. Ça va faire mal aux pattes des sprinters, ce relief. Conrad, ouais. Moi je tente, hein, parce que je sais que c'est la seule chance intéressante de faire quelque chose aujourd'hui, c'est en attaquant. Bon, j'avoue, ça aurait pu être une journée où je reste tout seul au chaud, mais derrière les sprinters ils ont mal au canne. Wellens derrière qui essaie d'y aller, mais c'est Stéphane Kung, hein, qui fait fort. Mais Kung, c'est pas le meilleur dès que la route s'élève. Hein, Stéphane Kung, bon, ils sont revenus sur moi, certes, ça n'a servi à rien, oui, mais on sait jamais, hein, les sprinters, si on leur fait mal au patoun. Eh bien, vu la physionomie de la course, il est plus que probable que ce soit un sprinter qui inscrive son nom au palmarès. Bien sûr que ce sera un sprinter. Hein. Faut arrêter de croire que ce sera pas un sprinter ou quoi, ce sera un sprinter. Bon, j'avoue, ça va être une étape tranquille pour la récupération, celle-ci. De toute façon, on n'est pas allé à l'avant. On se dirige vers un sprint massif, ouais. Trentin toujours très bien placé. Alors ça, c'était l'étape La Palisse-Lyon du Tour 2013, remportée par Trentin. Ça va lui rappeler des souvenirs un peu, même s'il doit peut-être pas trop s'en souvenir quand même de cette partie-là. Même s'il avait gagné, hein. Mais c'était à Lyon qu'ils ont coupé, alors c'est dommage parce que le final, il était un peu... En fait, c'est quasiment le même final que ceux de l'an passé. Avec deux montées, dont une non répertoriée, puis directement descente. Enfin, c'est quasiment le même final que l'an passé. Hein. Et Pitcock, il est très très long. Ça va être tranquille pour les délais. Hein. Pour Thomas, à dernier, c'est Dove, c'est, hein, il est très long. Bon, j'avoue, j'aurais pas donné le gel. D'accord, on sera vite. Voilà, moi je veux bien que vous vouliez que j'arrête de péter des câbles, mais bon, le bug de l'oreiller ça vient 2 secondes. Oh, elle est bien partie, Gaviria, là.
Allez, 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 il est parti de très très loin. Gaviria, ça va peut-être pas tenir. Mais nous, on va bien remonter peut-être. On fait 6, 11. On fait 11, malheureusement. Et c'est victoire de Casbolt devant. Bah, pourquoi pas Casbolt. Bon, Pitcock, lui, il prend du temps aujourd'hui. Mais demain, Pitcock, B20 et Moscone, ils vont rouler parce que j'ai besoin d'aller chercher un classement de la montre. Des places pour, enfin, des points pour le maillot à poids demain. En tout cas, dans la table qui suit. J'avoue, par contre, ça c'est chiant les débuts de Paris-Nice ou quoi, ou même du Dauphiné dans le jeu, parce qu'on fait en vidéo, parce que bon, faire une vidéo de, avec 3 étapes de peine, c'est pour Casbolt qui s'impose. Ouais, VDP qui prend le maillot vert. Bon, c'est souvent VDP qu'il a, bon, nous on a toujours le maillot à point, hein, mais bon, évidemment ça change pas. Est-ce qu'on peut viser une victoire sur ce Dauphiné? Je pense pas. Hein. Bon, on visait un top 10 sur cette étape, et c'est raté. C'est dommage, on conserve le maillot à poids, tout n'est pas négatif. Ouais, bon, Pitcock est quand même 144e au général, mais voilà, Pitcock c'est notre homme de main. Bon, on est 22e au général. Demain est un autre jour, j'ai envie de dire. Voilà, c'est la pensée qu'on doit avoir. Demain est un autre jour. Bon, au maillot à poids vert, c'est vrai. Bon, on a quoi? On a 27 points de retard. Maintenant, on va rentrer dans notre élément. Et oui, monsieur. Et là, le maillot vert, ça va être un... C'est un... Alors là, le top 30 à Turini. Et je vais pas dire qu'il sort de nulle part. Mais bon, quand tu vois qu'on fait 50e à la montagne de Lure. Bon, en réalité... Alors, je sais plus combien on a en montagne. Vous... Alors, combien on a en montagne? Nous, on a 72. Alors, j'ai pris l'échappée du jour. Je faisais en tête... Non, j'ai fini deuxième de la première difficulté. Après j'ai pris aucun point à la deuxième difficulté. Je suis passé en tête du col de première catégorie et aidé par Patrick Bévin. Et également, je suis arrivé en tête en bas de la descente dangereuse. Ça te rapporte une amélioration descente? Oui, monsieur. Également, je suis passé en tête. Non, j'ai fait deux du premier sprint intermédiaire. Après, deuxième passage de la Côte du Rémy, je suis passé en tête. Après, je me suis relevé. Et voilà, j'ai pas énormément de barres. Au pied de Turini, tu vois. Mais bon, il y avait le sprint intermédiaire. J'ai voulu le jouer, le sprint intermédiaire. J'ai pris un peu de barre bleue. Je fais deuxième du sprint intermédiaire. Vous pouvez me dire, mais qui va le jouer? VDP. Oui, VDP est encore présent. Et il l'a joué. Avec Conrad devant, c'est compliqué. Hein. Si on peut lui dire d'y aller à 100% là, parce que devant, Lopez, il a rejoint Alaf. Ah oui, il a rejoint Alaf Ipchou. Il est 7ème là pour le moment. Mais il fait une très 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 belle étape. Hein. Une bête d'étape. Ah, si je peux mettre une mini croaxel. En fait, pour qu'il sorte de ma roue, tu vois. Bon, de toute façon, ça nous dérange pas. Nous, on a fait des kilomètres avec. Sur notre barre rouge. Ah, il y a Remco qui s'accroche à nous, tu vois. Franchement, on fait 27 pour le moment. Mais c'est une très très belle étape hein, pour notre part. Et Pino, attention. Hein. Bon, j'avoue, le Thibaut Pino sur le Cheetah 82 montagnes. On dit merci qui? On dit merci moi. Mine de rien, là, il y a Yann Izaguirre est dans ma roue. Hein, tout comme Sepkus et Remco Evenepoel. Ah, 27ème à Turini, je dis pas non. Hein, tu vois, je dis pas non vraiment 27 à Turini. Sachant que bon, voilà. Du coup, déjà également, c'est une nouvelle étape de montagne terminée. Alors, normalement, à la fin de la saison précédente, on a terminé 6 étapes de montagne. Mais dans les objectifs, ça nous en mettait 7. Du coup, ça, si vous comptez, ça ferait 8. Et là, ce serait 9e. Mais sauf que dans le jeu, des fois, ça bug. Ça pourrait en faire un peu plus. Ouais, je Kelderman, il a pris tarif ou comment ça se passe? Ah, Bernal, il l'a récupéré. Hein. Bernal, il l'a récupéré. En tout cas, Conrad, il a fait une très, très, très belle étape. Izaguirre, c'est fini. Remco Evenepoel, il a énormément roulé aujourd'hui. Hein. Remco... Le petit Remco Evenepoel. Mais on va essayer de s'accrocher là. Il reste 600 mètres, c'est encore long. Bon, par contre, les gars, c'est plus qui va plus vite que nous alors qu'il est en défaillance. Se commente. Là, moi, si j'écranche un effort, c'est dans les 200 derniers mètres. Hein. Là, juste après le virage, c'est ce qu'on va faire. Allez, pour aller chercher une 29e place. Juste avec Valentin Madouas. Et Trentin également qui arrive derrière nous. Hein, Bévin aussi. Mais oh, on a fait une très très belle étape. Hein. Une très très belle montée. Enfin, très très belle montée. Alors on doit prendre 4 minutes facile. Mais c'est déjà bien, tu vois.
La montée, bon, on avait 72 montagnes, mais avec le pic de forme, ça fait 74. Si on rajoute la montée passée en tête, ça fait 75. Mais également, faut pas oublier. Alors, normalement, déjà, ce qui est sûr, assuré de fait, c'est terminer une course de plus de 200 km, ça a été fait lors d'étape 3. Terminer une étape hors contre la montre. On était à 27 sur 30 au départ de Paris-Nice. Là, c'est notre 31ème sur 30. C'est bâclé. Après. Du coup déjà passer en tête, gagner un sprint intermédiaire. On a gagné notre 4ème et notre 5ème sprint intermédiaire selon le jeu sur tout Paris-Nice. Du coup c'est fait. Terminer une étape de montagne, on était du coup à 8 sur 10. Mais vu que le jeu des fois il bug, peut-être qu'on aura terminé ça. Du coup ça nous ferait peut-être 74 montagnes, ce qui serait plutôt pas mal, on va pas se cacher. À la FIP qui garde le jaune, VDP le maillot vert, mais il est trop fort. Maillot à poids, il est pour nous, et le maillot blanc, il est pour Poga. Ça étonnerait quelqu'un, non. Même si à l'avenir, on a pris rendez-vous à l'avenir. Poga, on te voit, hein. Dans l'avenir, c'est nous qui vont. On est le principal adversaire de Poga pour l'avenir. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On conserve le maillot à poids, c'est très bien, les gars. Ouais, et Conrad qui a fait une très 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 belle étape hein, quand même. Au général, il me semble on reprend 3 places. Ouais, on revient 19ème à 3,59 de Julien. On a pris cher. Hey, il y a David devant nous. Alors, je pense que. Je vais pas vous le cacher, je pense que la saison prochaine, je prendrai encore une fois David Gaudu dans mon équipe. Mais c'est déjà ça. On a Woods, on a Guillaume Martin et compagnie. Conrad qui est seulement 10ème, c'est pour dire seulement 10. Après, je pense quand même que Youcarty et Romino, il peut les battre. Parce qu'il a montré qu'il était à leur niveau, il fait 7 ou 8 au sommet. Maillot à poids, 39 points, 21 Luis Sanchez. On a 18 points d'avance. C'est Tipar. Funaise, 124 points. Et on en a 24 de retard. Hein. C'est un duo, mal le petit Mathieu. Impossible de le battre. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Maillot blanc, on est 4ème. Et oui, Gaudu est passé devant nous. Du coup, on perd une place. Mais bon, ça se trouve, on peut le dépasser. Gaudu, je sais pas. Classement par équipe, on est toujours premier. Enfin, on est premier, du coup. Et classement de la compétitivité, on est premier. Alors attention, quand même, 90 km d'avance, c'est pas gagné. En tout cas, j'espère que c'est. Et on est 3ème au classement individuel. À 1 point de Conrad. Mais surtout, mesdames et messieurs, à 5 points de Weaver. L'objectif, c'est d'être premier mondial. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la cloche de notification, de liker, partager, commenter. Venez me rejoindre sur Insta, c'est Cyclisme 3D. Sur la Play, c'est Cyclisme 3. C'était Cyclisme 3D. Ciao, bye bye.